Salut tout le monde, c'est Carlo Combs et je vous souffre pour une nouvelle vidéo sur Fallout 4 et on va continuer notre petit épisode. La dernière fois on était venu ici sous l'ordre de la confrérie, on devait tuer tous les brutes, hein, on les a tous tués, on a récupéré leurs armes, machin. Mais maintenant faut que j'aille parler au Lord Croc qui est là-haut. Paladin Dance. Donc on va aller le voir. Et là tu vas se téléporter là dans 2 secondes. 3, 2, 1. Maintenant. En fait, tu peux regarder derrière. Et après, tu regardes devant. Non. Regardez un peu cet endroit. On dirait que vous haïssez les super mutants. Paladin Dance. Regardez un peu cet endroit. On dirait que vous haïssez les super mutants autant que moi. Et comment ? J'adore les réduire en chair à pâté. Si seulement le reste de la population pouvait partager ce sentiment. Eh, hey, je les déteste autant que vous, hein. Mais vous pourriez peut-être y aller doucement sur le côté épuration et génocide, non? Ces abominations sont l'illustration parfaite d'un triste penchant de l'humanité. Faire un pas hasardeux en avant pour revenir 2 pas en arrière. Ça fait des années que je me bats contre ce fléau. Je commençais enfin à penser qu'on arriverait à les éradiquer, mais voilà qu'on découvre les synthétiques. J'ai vu de quoi les supermutants sont capables. Je ne peux même pas imaginer les ravages que pourraient causer les synthétiques si on les laissait proliférer. Ce serait la fin du monde. Encore. Et peut-être le coup de grâce pour l'humanité. Désolé. Moi, je veux plaire à Pepper, pas Peter. Je ne voulais pas vous ennuyer avec mes équipes. J'espère juste que vous comprenez l'importance de ce type de mission. Oui, chef. Ne vous excusez pas. Ça me rappelle pourquoi je suis ici. Merci. Je suis content de voir que vous partagez mon sentiment. Enfin, n'y pensons plus. Tout ce qui compte pour le moment, c'est que la mission soit une réussite. Les ogives sont à nous. Vous devriez retourner à bord du Pridwen. Maxon attend certainement votre rapport avec impatience. Rompez. Ouais. Ok, le bâtard, il s'est barré à téléportation, lui. Moi, j'ai pas ça, faudrait qu'on me le donne, ça. J'espère qu'il y a un avion qui vient me chercher parce que voilà, hein. Non mais oh. Je suis sûr qu'il n'y a aucun avion qui va venir me chercher là. Moi, le grand Carlo Combs là. On y va. Ah, il y en a un qui a pissé là. Ah non, c'est une ombre. Là, ça devait être un des sacs qui faisait une ombre. Les sacs de viande là. Bon, alors. Vous devriez retourner sur le Pridwen. Oui, oui, oui. Je m'occupe des ogives. Et de faire un peu d'élage. Oh, ça fait mal ici. Vous avez vu comme je les ai massacrés, vous vous rappelez? Mais vous êtes sérieux, vous voulez que j'entre à pied? Il est sérieusement sérieux qu'il faut que j'entre à pied là-bas. Bon non, bah écoute, moi je vais aller comme ça, là je te dis ta gueule. Voilà. Je sens que je vais avoir une longue discussion avec le chef. Cette arme est un peu bizarre avec le morceau de bois, là, tu sais, c'est bricolé. Bon, c'est un peu la fin du monde, donc bon. Voilà, alors, il est où le chef? Oui, c'est vrai, je suis trop lourd, il faut que je... C'est chiant quand même.
bien. Ouais. Allons voir le patron. Merde. Voilà, je suis plus lourd. Bon, alors. Mais la journaliste, genre avec moi, allons-y. N'hésitez jamais à abattre. Oui, j'hésite pas à abattre. Le patron est là-bas. Allons voir, ça va être encore une longue discussion. Bon. Vous avez fait de l'excellent travail, Alphonse Strong, soldat. C'est un honneur de servir la confrérie. Ravi de vous l'entendre dire. D'autant que notre mission ici ne fait que commencer. Nous aurons besoin de toutes les armes disponibles pour combattre l'Institut. J'ai toujours à cœur de donner le meilleur équipement possible à mes soldats. Tenez, c'est pour vous. Les balises fumigènes. T'es sérieux? Appeler un vertiptère quand vous avez besoin. Putain, juste quand j'arrive à me vider, ils m'ont rejeté. Il suffit d'en lancer une sur le sol et le vertiptère sera guidé par la fumée électromagnétique qu'elle émet. Une fois à bord, vous pourrez choisir votre destination sur votre Pip-Boy. Il sert d'interface avec le système de navigation du pilote. Merci, aîné. J'en ferai bon usage. Je n'en doute pas. Comme vous vous en doutez, Fort Strong n'était que la première étape de notre campagne de libération du Commonwealth. Ouais. Une tâche autrement plus grande nous attend. J'imagine que vous avez déjà compris que notre arrivée dans le Commonwealth n'a rien d'une coïncidence. Oui. Si nous sommes ici, c'est parce que les éclaireurs du Paladin Dance ont détecté des signaux énergétiques pour le moins singuliers. D'après nos scribes, ces signaux indiquent un niveau technologique dont seul l'Institut est capable. À la lumière de cette information, notre mission nous a semblé couler de source. L'Institut et tous les responsables de la création des synthétiques doivent être éliminés, quoi qu'il en coûte. Pour ouais. atteindre cet objectif, d'accord. nous devons localiser leur quartier général. J'ai demandé à nos ouais. scribes de passer le Commonwealth au peigne fin, mais ils n'ont rien trouvé. Vous n'avez qu'un seul mot à dire, aîné. Je suis à votre service. Je veux que vous soyez nos yeux et nos oreilles sur le terrain. J'ai l'impression que vous accordiez déjà beaucoup d'intérêt à l'Institut avant même de vous joindre à nous. Je suis sûr que vous saurez où chercher. Si vous trouvez le moyen d'infiltrer leur infrastructure, je vous ordonne de m'en informer immédiatement. Avez-vous des questions, chevalier? Il n'y a pas de documents d'avant-guerre qui pourraient nous en apprendre un peu plus sur l'Institut? D'après nos propres recherches, l'Institut serait né sur les cendres d'un campus universitaire d'avant-guerre, le Commonwealth Institute of Technology. Les ruines du campus sont au centre de la ville, mais nous les avons déjà passées au peigne fin. Les lieux sont abandonnés depuis très longtemps. Pour l'instant, la piste s'arrête là. Autre oh chose, merde. Chevalier. Pas pour l'instant, aîné. Très bien. Je vous pouvez pas. Disposer. Approche-moi pas, mesdames. Non, mais non. Séquence bon. Delta enclenchée. Et donc, on va faire quoi là ? Prévu dans 14 minutes. On dirait qu'on hey. A un déséquilibre. Qu'est-ce que vous avez pour moi ? Savez-vous ? Mes armes balises fumigènes. Non, ça je garde. Ça, je te donne ça, moi. Rééquilibrage en cours. Bon, en gros, j'ai plus de mission ici. Bon, alors, est-ce que ça vous dirait qu'on aille aider des gens? Qu'on aille faire une mission de colonie? Ouais, on va faire ça. Non. Allons faire ça. Non. Merde, j'ai oublié ça, j'ai vu juste après, dommage. C'est dommage. Bon. Alors. Sauver le Commonwealth. Ah ouais. Bon. On va à l'aéroport. Il paraît qu'on t'a affecté un nouveau poste. Nos vertiptères ouais. devraient nous donner la suite de recherche. C'est vachement prestigieux de jouer les babysitters pour scribe de terrain. C'est toujours mieux qu'enchaîner les tours de garde. Et toi, t'as eu quoi? L'avant-garde. Tu déconnes? La rejoins dès la fin de la prochaine rotation.
J'essaierai de te laisser un ou deux super mutants si je peux. Les synthétiques qui ressemblent à des humains sont les pires. Ils se cachent parmi nous. Ouais, bon, alors moi je cherche la sortie en fait. Pas que vous aimez pas, mais j'ai envie d'y aller. Je n'ai pas de temps à perdre quand il y a du travail. La libération du corps de Wells est une énorme responsabilité. Alors. La carte. Alors, on va aller. Non. Putain, oh. Je vais aller là-bas. Mais on y arrivera. On va aller voir ce qui se passe là-bas. On peut vous louer. Ah oui, d'accord, cool. Bon. Allez, putain, chier. Allons-y. Alors, ah, c'est là-dedans. Il y a pas du méchant à buter ici. Ouais, sauvegarde, c'est mieux. Il faut monter en haut. Attendez. Je ne sais pas trop ce qu'on est censé dire à la radio. Je m'appelle Rex Goodman et je suis retenu prisonnier au sommet de Trinity Tower. Je pense que les super mutants ont l'intention de me manger incessamment sous peu. Je passe le message en mode répétition. Oh merde, je dois couper. J'entends un super mutant qui arrive. Ok, donc on sait au moins ce qu'il y a là-haut. On y va. Tu tues seulement les plus faibles. Ça te rend plus fort. S'ils peuvent pas tuer un petit humain, ils valent moins que rien. Ah, ils nous attendent déjà. Apparemment, ils ont des caméras ou je sais pas. Les gars, soyez prêts pour la fête. On va bien. Pas comme humain. Maintenant, meurs comme humain. Mes guerriers t'attendent. Ah oui. C'est à nous maintenant. Mais non, c'est pas à nous. Y'a quelqu'un là ? Mes oreilles me jouent encore des tours. Oui, oui. Quoi ? Voilà, dans ta tête ! C'est l'heure de mourir. Vous voyez ça ? Ah, c'est l'heure de mourir apparemment. Alors, tu sais, alors, c'est le combat, lui, le mec, il... Il ouvre une boîte. Ça y est. Ah, attendez, désolé, j'ouvre la boîte, après on peut se battre. On a de la visite. Ah ah. Il a vu que du feu, lui. Oups. Oula. Ça fait mal, monsieur. Oh ! Ça fait mal ! Ça fait mal, tu comprends pas ? T'es con ou... Bon, allez, ok. Ta bouche ! Voilà ! Il m'a fait mal, ce bâtard. C'est pas tard. Blessé ! Oh ! Oui, t'es blessé, bah ok. En fait, ils ont pété. Wow, wow. Je
J'aime ta bouche un peu. Ah bon? Je savais même pas que c'était un super mutant, putain. Alors bon, on va prendre quoi? On va prendre quoi? Non, on va pas prendre ça, on va pas prendre ça. Ça, je le garde pour quelqu'un. Non. Voilà ça. Putain, y'a personne qui peut l'arrêter, il a dit. Putain, ça serait bête, ça, quand même. Qu'on puisse pas l'arrêter, ce serait dommage, hein. Je vais dévorer ta chair. Mais t'es où? Tu te vas bien. Presque aussi bien qu'un super mutant. Normal, j'aurais. J'écoute même pas ce qu'il me dit, leur chef, eh. Il a mal, je crois. Si, c'est un jeu. Regarde. C'est amusant. On s'amuse. Alors déjà, j'aimerais bien voir le même... C'est le même que moi que t'as, là. Arrête de me copier. C'est quoi ça? Wow. C'est moi le poule mouillé, mais c'est pour ça que tu te caches derrière la porte. Unité d'assaut, tu sais, on a une unité d'assaut pour venir sauver le mec. C'est quoi ce bruit? Alors. Ça s'appelle du crève. Oh là. On va quand même prendre un peu de vie, hein. Oh, attendez, j'ai une idée. Ouah, j'ai tout buté, putain. Au revoir. Oh, il tombe. Oh, comme il est tombé. MDR. Allez, vas-y, meurs. 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 Boum. Au revoir. Oh, je tombe. Je suis sûr qu'il a de plus en plus peur, le chef. T'as peur, hein, le chef. Ah, il y en a encore un. Il est en bas. Viens te battre, lâche. Mais t'es où, toi? Je vais te battre, je sais pas où t'es. Faudra bien que tu te montres tôt ou tard. Il doit être en bas. Moi, je sais pas où il est, je le trouverai plus tard. Hein. Bonjour. Moi je sais pas où que t'es là. Viens, Piper. Piper, pardon, putain. Waouh, c'est quand même long, dur comme nom. Je voulais me battre. Ah, il voulait se battre, il a dit. Allez, Piper, on y va. Un téléphone qui veut pas se brancher. C'est horrible de casser son téléphone, je sais pas si vous pouvez. Vous pouvez comprendre ce que je ressens. Oui, parce que j'ai cassé mon téléphone il y a pas longtemps. C'est super. Alors bon. Je crois qu'on monte tout en haut là. On est prêt, on est chaud là. Pipe, t'es chaud? Tu pourrais écrire un journal après si on meurt pas. Alors t'as pas intérêt à mourir. Ce qu'on s'emmerde. Alors le mec. C'est quoi? Y'a personne. Coucou. Au revoir.
Oh, des fois ça les met en. Non, 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 non. On va te tuer. De toute façon. On va te tuer. Il va me trouver, il va me tuer, il a dit. On joue à cache-cache en fait. Joue à cache-cache avec eux là, ça se voit. Il se cache, je me cache. Oh, c'est quoi? Bon. Oh là 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 là. Au revoir. Ouais, non, je veux pas te prendre dans mes bras. Hein. C'est ça que j'adore avec eux, moi. On monte. On monte. Je sais pas par où on monte, mais on monte. Ah, par là. J'arrive, j'arrive, t'inquiète, je sors de mon trou. Je vais pas tarder à bouger. Wouah! On se calmait, les filles. Oups. On va manger quelques trucs, je pense c'est mieux. J'ai rien fait, arrête. Oh, ferme ta gueule un peu, non? C'est un psychopathe lui, non? Il m'enlevait toute la vie que j'avais. Fait chier, hein. Wouah! Je sens qu'on va mourir en fait. Qui sent la même chose que moi là? Ferme un peu ta gueule, non? De plus en plus envie qu'il meure. Il manque deux coups. Deux coups je l'ai. Alors on va essayer. Allez. Allez, on y va. Je pense pas que c'est le chef lui. Il y en a un mieux. Oh, je l'ai eu. Décidé, je sais ce que je prends comme arme. Ça va chauffer là. Lève-toi, non? J'ai vraiment l'air.
pouf. Pouf, hein. Comme ça, pouf. Ah putain, bon. Hop. Alors. En fait, on va laisser le minigun. Pour l'instant, on va trouver des trucs pour se soigner, parce que là, on pourra pas le tuer comme ça. Je sais pas pourquoi je le sentais, ça. Ah, c'était un studio d'enregistrement. Là. Je ne peux pas crocheter ça. Oh putain. On peut pas boire, super. De la bouffe, il me faut ou de la boire. Pourtant, j'avais au sale tout à l'heure. Ouais, je peux pas le prendre. Mais... Viens voir un peu par ici. J'ai un cadeau pour toi. Les anguilles, ces humains. Voilà, on a trouvé enfin. Mais merde. On récupère le Nigingum et on y va. Nigingum. Bon, il est où, il est là. Allez, pareil, c'est quoi ça? C'est vrai que c'est une malade, hein. Elle est capable de récupérer les balles de Nigingum d'un mec pour tout les niquer, hein, je vous jure. Je l'ai vu faire. Je t'entends. J'entends quelque chose. Ah bon? Mais t'es un malade alors si t'entends quelque chose, hein. Parce qu'il y a rien. Moi j'ai rien vu. Saleté de bruit. Vous savez là-bas on voit des combats là-bas. Un bruit. Ouais, y'a un bruit. Mais qui c'est? Aujourd'hui. C'était quoi ça? C'était vous? On a de la visite. Bon débarras. Bah il est où? Je le vois plus. On en a eu un. Désolé Piper, mais tu t'es mis devant. Bah t'es mort? Bah il s'est fait transpercer par des balles, regardez. On va voir le chef? Allons voir le chef. Allons-y. On va tous les niquer, on va tous les défoncer. C'est Carlo Combs qui est dans la place. Ne vous inquiétez pas. Ce sera plus utile de toute façon. Je l'enlèverai. Oula, ça je le prends. Ça aussi là-bas je vais prendre. J'enlèverai le minigum avant de repartir. Hein. On y va. Ah non, j'ai eu le chef. Sérieux, j'ai eu le chef. Bon, bah ok. Je vais donner moi où l'air est plus propre ici. Alors attendez, hein. Je voulais faire quoi déjà? Oui. Bon, le minigum, je le jette, hein, on bat les couilles. Mais les. Oui, ça se pourrait, Piper, que l'air soit plus propre. Et merde, j'ai pas regardé. J'en ai 392, ok. Hey. Allez-y, parlez. Je vais lui donner mes balles de... Ça doit être ça.
J'ai un sniper donc on va pas utiliser ça. Hein. Ombre du soir. Oh! Attendez, revenez! Ne me laissez pas ici! Mais qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? Vite! Sortez-nous de là! Autres frères viendront bientôt. Eux savent que Tour est attaquée. Je vais ouvrir la cage. Vite! Strong dit que d'autres super mutants arrivent bientôt. Au fait, il est avec moi. Je vous en prie, ne lui faites pas de mal. C'est fermé. Bah, je veux bien ouvrir, mais c'est fermé. Le verrou tient bon. Cache-toi, tas de viande. Salut, Strong. Cache-toi, tas de viande. Ok, ok. Ah bah, j'ai trouvé. Dépêchez-vous, je les entends. Ne vous inquiétez pas, je vais les niquer, moi. Salut, Strong. Cache-toi, suis les viandes. Il connaît le chemin pour sortir. Qui est là? Éclatez-le. Tiens, belle. Oh, je suis trop classe, on va être trop un militaire, moi. Strong te tue. Et après, Strong. Je sens que je vais l'adorer, lui. Avoir un pote. Point. C'est là où tu te dis que t'es deg. Ah ouais. Mais je suis deg. Suivez Strong. Connais le chemin. Ferme ta bouche. Vous avez dit que c'était une malade. C'est une malade. Si tous les journalistes font ça. Non, pas du tout. Non. Elle me demande si tous les journalistes font ça. C'est la première fois que je vois une journaliste avec un minigum dans les mains. Ça va être. Oh, non. Non, ferme ta bouche, toi. J'aurais préféré qu'on n'en arrive pas là. Bah, moi aussi. Viens. Elle est où? Oh non. Elle est là. J'ai cru que j'avais fait la grave erreur de qu'elle se rebarre avec le. Ouais, une fois j'avais fait ça, cette mission et elle s'était barrée avec le minigum et je l'avais perdu. Parce qu'elle cherche les méchants. Viens, Piper. Putain. Je peux plus lui parler, vous avez vu? Putain, elle a bugué. Hey. Allez là-bas. Ça marche. Vas-y, non? Attendez là. Ok. Dans ce cas, je serai là. Par ici. Ouais. Ah, c'est bon. Venez ici. D'accord. On peut activer. Je ne pense pas pouvoir aller. De l'aide de la compression vient de là. Je pensais pouvoir civiliser ces ouvrages en leur déclamant ce chef-d'œuvre. Strong, ici présent, pense que c'est le secret des pouvoirs de l'humanité. Alors il veut que je l'aide à le trouver.
Ah ouais, d'accord. Donnez du courage en citant le bard immortel. Bonne nuit. Bonne nuit. Si tout, c'est la tristesse. Chef Trou, Strong, trouve-toi. L'armée. Personne n'échappe à Strong. On peut pas la percher, elle, mais franchement. Les enfers restés vides, déchaînent sur nos pas, tous leurs démons avides. Acceptons avec résignation ces cruelles adversités. Les sages disent que c'est le meilleur parti. Il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? On va tous mourir, hein? Non. Bam bam dans ta gueule. Lui il a rien compris lui. Dès que je passe un niveau. Oh j'en ai passé un, mais alors regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. Il est où? Il est où le détective? Il est là. Hein? Il faut le niveau 22, merde, bon. Le truc de l'eau, est-ce que je l'ai mis? Voilà. C'est pour pouvoir aller dans l'eau sans... Attendez, on a plein de trucs de bouffe, on va les manger. Et oui, je me pique, moi, je suis un drogué. Je vais t'éclater la cervelle. Merde, j'ai mal. Bon, au pire, sans si j'ai plus de balles, elle s'en charge pour moi, vous avez vu? On va essayer, ça va pas faire. C'est presque comme un minigum. Ça, j'aime bien aller voir les intermittents, c'est des réserves. Voilà, je te disais. Allez, viens! Mais où, monsieur? Oh putain. Il est resté en haut, tu vas me dire. Putain, il est là. Rex. Il a bugué lui aussi, tu vas me dire. Mais non, allez, vas-y. Oh putain. Hey! Faites-moi signe. Ici. Prenez cette arme. Uh-huh. Allez là-bas. Bien sûr. Allez, viens. On bat les couilles, là. Tu veux pas venir? Il vient pas. Hein. Au pire, j'irai le chercher hors ligne, hors vidéo. Voilà. Ah, mais il est là, toi. Moi j'ai un... Tiens, tiens... Hé hey ! C'était le mien. Oh. Grave. Voilà, j'ai failli mourir. Tu vas t'en mordre les doigts. On arrive en bas, on arrive en bas. Allez, avance, Piper. Piper, avance. Et avance. Je vais te casser la gueule.
tôt j'entends que je vais te casser la gueule. Mes oreilles me jouent encore des tours d'un bruit. Un bruit ? On dirait qu'il dit Adri. Hashtag Adri Gaming. Bon, il est où ? Bon allez, dépêche-toi, vas-y. Voilà, il y a lui. Rex. Merci de nous avoir sauvés. On peut dire que c'était moins une. C'était avec plaisir. Votre bonté est à la hauteur de votre courage. En tout cas, je vous suis extrêmement reconnaissant. De rien, c'est j'aimerais normal, monsieur. Vous donner ceci. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je pense qu'il est grand temps que je quitte définitivement cet endroit maudit. Je retourne à WRVR pour reprendre ma carrière à la radio. Ok, je viendrai vous voir si un jour... si un jour je passe à côté. Cherche l'aide tendresse humaine avec Strong. Pas encore. Bientôt. Vite. Strong aime pas attendre. Strong, pas avec toi. Oui, je tiendrai ma promesse. Bien. Strong apprend secret des humains. Et là, on dirait. Les mutants ne sont pas beaucoup plus beaux vu de près. Strong trouve petite femme pas mieux. Styling Drive. Non, Piper, t'es où? Piper, non, viens là, Piper. Je rigole, Piper, tu restes avec moi. Hey, Piper. Vous venez me voir? D'accord, allons-y. Ça marche? Bah, humaine faible, pas vivre longtemps. Attention à ce que tu dis, toi. Certains de tes frères seraient pas du même avis. Va au sanctuaire, tu vas aider tout le monde là-bas. Oh, oui, c'était juste pour l'avoir en fait, parce que sinon je sais pas où. Bah, il est où? Il est rapide, hein, son. Oula, putain, il est là. Adri, il va bien! Non. Ah, il me casserait la gueule, Adri Gaming, s'il savait ça. Bon, Bah, voilà, c'est tout pour cet épisode. Hein. J'espère que l'épisode vous aura plu. Bon, il était un petit peu long, ça va, par rapport à d'autres épisodes. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude, hein. Ouais, bien partagez hein, avec vos amis sur Facebook et tout. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de mes potes, hein, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt en compagnie de ma très chère Pepper. Piper, désolé, ça, Pepper, ça me fait penser. Donc voilà, allez, tchuss tout le monde!